Salut, c'est Sébastien Corchia, bienvenue dans la région nantaise. Venez avec moi, on va à la Genolière préparer le match de Coupe de France. Allez, c'est parti. C'est une compétition vachement plaisante à jouer. C'est un... En tant que compétiteur, voilà, on a envie de la gagner. Et donc c'est super important et ça permet aussi de créer quelque chose au niveau du groupe, hein, parce que d'enchaîner les victoires en coupe, ça permet de créer une certaine de souder le groupe, et c'est une superbe aventure. À chaque coup, c'est une qualification, donc au final, quand on se qualifie, il y a une joie particulière. C'est pas pareil que le championnat, donc et puis ça permet aussi de rencontrer des équipes de chaque niveau, donc ça permet de voir autre chose, et ça met une certaine ambiance qu'un championnat c'est pas pareil. Donc c'est une compétition qui est très agréable à jouer, et surtout quand justement on se rapproche du Stade de France. Voilà, on est arrivé à la Genolière. Je vais retrouver l'équipe pour prendre le petit déjeuner avec un petit maté. C'est un quart de finale, donc c'est super important de gagner. On est à domicile, on va jouer contre une équipe de Bastia, une très bonne équipe. Voilà, on a vu le parcours qu'ils font, et c'est vraiment une bonne équipe avec beaucoup de mental, beaucoup d'agressivité, avec de bons joueurs aussi. Donc ça va être un match solide, et nous on a envie vraiment de passer, parce que voilà, on se rapproche, on se rapproche au Stade de France. Donc après, c'est les demi, ça va vite. Voilà, on a envie de faire un bon match, mais on sait que ça va être un match difficile face à une bonne équipe. Oh, merci Seb, joue. Allez, Mishka. C'est la Coupe de France, donc voilà, on a vu des équipes battre des favoris, donc... Nous, on pense pas à ça. Nous, on va prendre ce match comme un match de coupe, et il faut qu'on rentre tout de suite dans le match. Et il faut pas se dire ça va être plus facile parce qu'ils sont des divisions en dessous. Non, pas du tout. Il faut vraiment ne pas prendre ce match à la légère, et vraiment bien commencer, parce que eux, on sait qu'ils vont être prêts et ils vont rentrer dedans. Donc c'est à nous de mettre le rythme, parce qu'on est chez nous. Voilà, on a envie d'arriver au bout, donc c'est dès le premier match, c'est un objectif. Là, forcément, on se rapproche. Il n'y a plus que quart de finale, demi-finale. Donc forcément, c'est de plus en plus proche. Maintenant, il ne faut pas trop y penser non plus. Il faut vraiment prendre ce match d'abord. Après, si on gagne, on pensera à la demi-finale. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un objectif, parce qu'on est de plus en plus proche, donc on va tout faire pour y arriver. La Beaujoire, nous, on a un très bon public avec des supporters qui nous poussent toujours. Donc forcément, de jouer à domicile, c'est un plus pour nous. Donc on sait qu'ils vont être derrière nous. Et justement, c'est à nous sur le terrain de donner le maximum et de ne pas les décevoir. Il ne faut pas trop vite se projeter non plus. Il faut déjà penser à ce quart de finale, et après on verra, mais c'est sûr que si on peut y arriver, ça sera vraiment une belle aventure, et avec un bon groupe, donc je l'espère vraiment.